The Rock! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de BA Pro avec les Sabres de Buffalo et Rock. The Rock, et oui, BA Pro reprennent et toutes les autres séries aussi vont reprendre. Et une petite série surprise qui s'en vient bientôt. Et si vous étiez là l'année passée, vous connaissez cette série-là. Donc, nouveau micro, les séries reprennent. J'espère que vous allez être contents. Et j'ai fait les tests. À partir de maintenant, il va juste falloir que je synchronise la voix avec l'image. C'est pas très grave, mais si jamais vous voyez que dans une vidéo, le son est pas, l'image n'est pas avec le son de ma voix, juste me le dire très poliment dans les commentaires et je vais essayer de m'améliorer pour les autres fois. Ça s'arrête de capoter, juste me le dire. Et je vais arranger ça pour les vidéos futures. Donc, on va aller voir juste les stats parce que ça fait quand même une semaine qu'on n'a pas touché à BA Pro. Les Sabres ont une victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Donc, les Sabres ont un début de saison correct. Carl Posso, Eichel, O'Reilly et The Rock sont les meilleurs pointeurs, mais ça fait que 3 matchs, hein, donc on commencera pas à capoter. The Rock a aucun but en 3 matchs, ce qui est assez surprenant, mais encore là, on se mettra pas à stresser. Prochain match contre les Islanders, mais là, moi, je veux jouer plusieurs saisons dans NHL 17 BA Pro, donc les matchs, on va en simuler pas mal. Les matchs, on va en simuler pas mal pour être sûr de passer les saisons assez rapidement. Donc, 3 à 4 matchs de simulation, un match on joue. Ou 2 matchs, ça va être à voir là. Islanders, non, Ottawa, on peut jouer contre Ottawa, ça pourrait être pas pire. Contre les Sénateurs d'Ottawa. Donc, Islanders, est-ce qu'on gagne? Et on bascule du même coup sur la deuxième ligne. Donc, probablement qu'on n'a pas eu une très bonne game. On a perdu 3-2. L'entraîneur fait des changements. The Rock, on sait, la deuxième année pour une recrue, c'est très souvent la plus difficile. Donc, on va aller voir les lignes. On va basculer sur la deuxième. Mais on se retrouve, au lieu de jouer avec Jack Eichel et Reinhardt Wokposso, on joue avec Evan Duchesne et Tyler Ennis. Et je comprends toujours pas pourquoi Ryan O'Reilly, élite, 26 ans, gaucher, 89 overall, est sur le troisième trio. Les Sabres vont le scraper. Donc, très hâte de voir ce qui va se passer. On joue à Buffalo contre les Sénateurs d'Ottawa. Ben hâte à ce match-là. Première période, 1-0. Zemgus Gergensen, deuxième période, 1-0 toujours. Les Sabres dominent dans les tirs et les Sabres mènent 1-0. Donc, aïe, ça fait longtemps. J'ai hâte de voir si je vais être rouillé là. Les Sabres sont, ont une fiche négative. Ce serait le fun pour les Sabres de participer aux playoffs. Là. Ce serait intéressant pour les Sabres. Let's go! Tyler Ennis. Pas la mise en jeu. Dion Fagouf récupère. Daniel Sedin. Ok, Daniel Sedin avec les Sénateurs. Ben, je pense que c'est Daniel. Ça peut être Henrik aussi. Stone. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué BA Pro. Le temps, c'est vous! Daniel. Dion Fagouf, bel arrêt Robin Lehner, donne sur les sites, y'a pas de pression. Non, c'était censé être à moi, what the fuck. Ristolainen, passe vers The Rock, et là, Evan Duchesne, nouvelle saison, on va essayer d'être positif avec Evan Duchesne. Tire qui rate complètement le filet. Dion Faneuf, belle passe, 30 secondes, c'est le temps d'aller changer, là. Honnêtement, les courts chiffres, c'est ce qui va nous apporter vers la gloire, parce que dès que tu te fatigues, les feintes sont plus difficiles, les tirs sont plus difficiles, tout est plus difficile. Et là, on a un power play. Les Sabres sont 0-0 ce soir. Ça va être la lutte si t'as pas eu de chance. Ils sont 0-0, mais ils ont un tir. J'ai bien la au tir bloqué, je pense, par The Rock. Et 22, Kane. Oh, come on, plus vite. Kane, devant pour Kane. Kane attaque le filet, son tir bloqué. The Rock retour. C'est raté. On contrôle. Passe dans McCain. Quelle mauvaise passe, man. Fucking hell. Quelle mauvaise passe de The Rock. Enjeu, rapporté The Rock 7. The Rock déborde. Son tir est bloqué. Le retour. Et mais The Rock is back. Et c'est 2-0 Buffalo. Son premier de la saison. Et surtout son premier devant ses partisans. En avantage numérique. Tiens, prends ce sénateur. Tire bas. Et le Hamburglar a rien pu faire sur le retour. Et The Rock est parti, mesdames et messieurs. C'est parti la saison, là.
Première vidéo de Bien Pro et The Rock revirement deux fois, il s'amène à l'échapper. The Rock, oh my fucking god, 2-0, 3-0 back à back. Ça en prenait juste un. Quel but, wow. Et c'est deux buts consécutifs, même pas 5 secondes là. Même pas 5 secondes de différence et The Rock, oh yeah, he's back, guys. That's it. Woohoo! Good job. Deux buts, là. Back à back, c'est incroyable. Tyler Nis, Van der Rock. On perd pas le puck, l'on mène 3-0, là. On cherche la win. Mauvaise passe ou mauvaise réception pour The Rock. Oh, come on, ref! C'est ça, c'était clairement de l'obstruction. Brassard, passe vers Céline. Céline. Va, Brassard, tu es bloqué. Stone! Rate le retour, ça aurait pu être dangereux. Watch out, watch out, watch out. The Rock s'empare de la rondelle. The Rock, yeah, that's it. Et on va tout simplement dump and chase et on va aller changer. Deux buts de suite, aïe aïe. Ouhouhou, aïe aïe aïe. Solide, 13, 52, 30, 17 les tirs. Et The Rock a marqué deux buts qui ont donné une avance de 3-0. Donc une avance de 3 buts pour Robin Lehner, ça devrait être suffisant, mais encore là, on l'a déjà vu s'effondrer, on a déjà vu les sabres s'effondrer. Fuck. Et The Rock refait ses erreurs. Aïe aïe aïe, Robin Lehner, je m'excuse. Je suis impatient, c'est pour ça que j'aime pas la chasse et la pêche. Je suis complètement impatient. Carl Turris. Turris, that's it. À la pointe, Mike Hoffman. Good job devant le filet. Carl Turris. À Cody Ceci. Je sais pas pourquoi je joue centre. On laisse avancer Cody Ceci. Belle arrêt, Robin Lehner. Dimitri Kulikov. Passe vers Tyler Ennis. Vers Lapierre. Evander Kane. Evander Kane. Ah, what the hell. Pourquoi tu ralentis? Kulikov. Vers Kane. Vers Kulikov. Le dégagement est 45 secondes. C'est en masse comme chiffre. Et on s'en va changer. J'espère qu'avec la performance de deux buts, là, je vais pouvoir avoir une augmentation est passée sur le premier trio, là, parce que jouer avec Jack Eichel, c'est très intéressant, surtout qu'il est rendu 89 overall. Et l'année passée, avec Reinhardt, c'était un des meilleurs trios de la ligue. Donc, on a une situation de jeu. Donc, x2 pour les joueurs défensifs. Tir qui est bloqué par Robin Lehner. Et cette fois-ci, Robin, je ne collerai pas la rondelle. Ne t'en fais pas. Tyler Ennis. Par la mise en jeu, oh, good job face à Faneuf. Mike Hoffman, récupération, that's it. John Faneuf, revirement créé par The Rock. The Rock s'amène, contour le filet. The Rock attaque le filet, beau tir, bien l'arrêt du gardien Hammond. J'essaie de le surprendre là, d'un tir rapide en revenant dans l'arrière du net. Ça n'a pas marché, là. Hammond s'en attendait. Va falloir que je fasse plus pour marquer 3 buts, là. Pumple, vers McArthur, vers Faneuf. Les 100. Ah, come on! Il est acquis! Calvaire! Oh, yay, yay! Qu'est-ce que je disais? On a déjà vu ça, le Robin Lehner et les sabres s'effondrer une avance. Se laisser rattraper une avance de 3-0. On a déjà vu ça et il reste plus qu'un but au sabre. Au sénateur pour revenir dans le match, là. Mais je sais pas c'était à qui c'était ce défenseur-là. Mais il a complètement fait ce qu'il voulait. John Faneuf vers Smith, vers Clark McArthur. J'ai pas vu Carlson à date dans le match. John Faneuf a déjà un but ce soir. Passe à Pompel. Ou Piampel, je sais pas comment on le prononce. John Faneuf, regardez ça. C'est comme ça qu'on check un leaf. Il n'y a pas d'option. Devant le filet, that's it. Hop! Kulikov, belle passe à The Rock. Ah, that's it. The Rock s'amène. The Rock. Belle patience. Low shot. Ah, personne pour le retour. Et personne, Marron. Ma shot s'est même pas rendu au net, là. Comment, oh, quel arrêt de Robin Lehner là-dessus. Quel tir dangereux, mais Robin Lehner était prête. Il était prête. 33-23 les tirs. Et les sabres tiennent toujours le coup, là. Ils mènent par 1. Le dégagement en fort zone, là, on est en stratégie défensive, là. On dompe. On n'attaque pas. Et enfin, Carlson est là, je l'ai vu. Mike Hoffman. Oh, attention, The Rock avec ton bâton. Mike Hoffman, toujours derrière le filet. Hoffman,
À la pointe, j'allais faire neuf là. Je vais pas vous en occuper, parfait, je vais l'avoir. La passe de l'autre côté, Eric Carlson vers Mike Hoffman. Le tir est bloqué par Robin Lehner. Good save, Robin. Oh! Et là, les deux joueurs, le Carl Harris et The Rock, là. C'est une petite escarmouche devant le filet. On n'ira pas plus loin. Tyler Ennis gagne la mise en jeu. Good job, The Rock. Accélère. Oh, yes! La rapidité, la rapidité, la rapidité. Five-all. Ouh! Andrew Hammond a failli se faire avoir pour une troisième fois en troisième par The Rock. Oh, que ça aurait bien fait ça, un petit tour de chapeau, ça aurait fait du bien. Tyler Ennis gagne la mise en jeu. Bogosian. Bogosian vers The Rock. Pas d'option, dirige une puck au net. That's it. Andrew Hammond fait l'arrêt et décide de conserver. Bonne décision du Hamburger. 35-25 les tirs. Une 15 à faire et le coach, malgré que je suis moins 2 dans ce. Moins 2. Malgré que j'ai été sur la glace pour les deux buts des Sénateurs, décide de me laisser sur la patinoire. Wideman vers Turris. Belle passe vers Bobby Ryan. Ryan, belle feinte. Mais Kulikov en a vu d'autres. The Rock tente d'aider. Bobby Ryan est slashé. Dimitri Kulikov est chassé. Et les Sabres devront résister. Et c'est ce qu'ils font. 3-2 la victoire des Sabres. Et on peut dire que The Rock a grandement aidé. Malgré qu'il était moins 2. Pourquoi j'ai tout le temps moins 2? Malgré qu'il était sur la patinoire pour les deux buts des Sénateurs, c'est quand même lui qui a marqué deux buts en troisième période. Et ce mérite la première étoile. That's it, The Rock. Donc, première performance de deux buts pour The Rock cette saison. Et premier but cette saison aussi pour The Rock. Ah, ça fait du bien, un petit breuvage. Donc, on ne jouera pas contre les Prédateurs de Nashville. Probablement cibler deux matchs. On va aller jouer à Montréal. Donc, contre l'équipe de jeunesse de The Rock au Centre Bell, ça risque d'être très intéressant, là. Si la simulation peut reprendre. La simulation à BioPro, là, est extrêmement longue. C'est fou comment. C'est beaucoup plus long à BioPro qu'en BioGM. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a plus de données à rentrer. Je ne sais pas. Mais défaite contre Nashville et contre Philadelphie, c'est une. Pardon. C'est une victoire en tir de barrage. Donc, une défaite, une victoire. 3 à 2. La victoire en tir de barrage. Contre les Panthers. On est 3-3-1, les Sabres. Panthers sont 3-6. Ça va vraiment pas très bien, là. Come on. Et c'est une victoire de 5 à 4. That's it, 4 à 3 en début de saison. C'est positif, mais là, les Canadiens sont 6-3. Donc, eux aussi, c'est extrêmement positif. On est toujours sur le deuxième trio. On n'a toujours pas monté. Donc, les Sabres et The Rock sur le deuxième trio et O'Reilly sur le troisième. Ça semble marcher parce que Jake McCabe et Matt Molson ont marqué sur Price. Andrew Shaw a marqué le seul but des Canadiens, mais on mène par un. Donc, est-ce qu'on est capable de shut the door face au géant Shea Weber? Bien, bien hâte de voir. Oh, juste avant qu'on embarque dans la partie entraîneur, je sais que ça met un coup de plus, donc je vais juste le mettre. Voilà, expert et progressif. Toutes les autres, je trouve que c'est un peu abusé et ça fait beaucoup trop de couleurs dans mon écran pour rien. Donc, on les mettra pas. Aïe, 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 aïe. Donc. Let's go The Rock et let's go les Sabres. 2 à 1 contre les Canadiens. Et The Rock au Centre Bell, ça risque d'être très émotif. Toujours très émotif, The Rock au Centre Bell. Here we go, les partisans l'acclament déjà. Ben oui, ils savent qu'ils ont la chance d'avoir un jeune flamboyant. Et de rouge chez Weber, le plus vite chez Weber. Fait de faire avoir Andrew Shaw récupère la rondelle et dégage. Zach Bogosian, probablement notre meilleur diff. Je suis très sarcastique en plus. That's it. Tyler Ennis, 2 contre 2. Tyler Ennis tente une feinte, je sais pas trop. Ok. Feinte à l'intérieur. Et là, Shea Weber. Confrontation avec The Rock. The Rock soutient la rondelle à Shea Weber, mais malheureusement, sa longue portée a été très utile. Le tir qui rate complètement le filet. The Rock en pression face à Shea Weber. Récupère la rondelle. The Rock s'amène. Va Tyler Ennis, quel arrêt, retour de Rock. Bel arrêt de Carey Price, et ça sera pas facile. Va falloir un tir parfait pour déjouer Carey Price. Ils veulent deux cannes déjà, dégage. Et vu que ça fait 40 secondes, on va aller changer.
2 à 1 les Sabres. 25-14. Si on peut aller chercher 3 victoires in a row, une bonne série de victoires, là, c'est tout le temps très intéressant. Andrew Shaw, dégage. J'ai l'impression qu'Andrew Shaw est sur le deuxième avec Blake Canet. Et le Beaulieu! Oh, quel tir bloqué! Ouch! Ça n'a pas fait du bien. Là, on sait The Rock, en plus, il y a un historique de blessure. Quel passe à Tyler Ennis qui tente une feinte. Et tu l'avais, même. T'avais juste à couper au net. Pas besoin de faire une petite crise de feinte, même. Aïe, aïe, aïe. Good job face à Andrew Shaw. The Rock va récupérer la rondelle. Belle passe à Ennis vers McCabe. Watch out. Good job. 3 contre 2. Evander Kane passe à The Rock. Tire du revers, récupère la rondelle. The Rock. The Rock toujours. The Rock rentre en collision avec Tyler Ennis qui ne semble pas vouloir s'en aller. Devant le filet, le tir du revers bloqué par Carey Price. Mais Cape, j'aurais aimé ça voir un tir là-dessus. Là. Franchement, là, j'aurais aimé ça voir un tir. Surtout que tu me l'as donné, j'ai été obligé de la récupérer du revers. Et ça, franchement, c'est pas la meilleure situation. Là. Brendan Gallagher, boom! Brendan Gallagher seulement frappé par The Rock. Et personne n'est venu à la défense de Gallagher. On aurait dit le... Oh, quel fait! On aurait dit le hit sur Patrick Laine. Jake McCabe, justement, des sabres sur Patrick Laine. Quelle mise en échec. C'était épeurant à voir. Le gros bonhomme Laine s'est complètement effondré sur la patinoire. Bref, on n'est pas là pour parler de Laine. Brendan Gallagher, son tir est bloqué. On le voit clairement qu'il est sonné par la mise en échec de The Rock là, qui... On n'a pas l'habitude de le voir frapper comme ça. Evander Kane passe à The Rock et ça fait quand même 37 secondes. Donc on va simplement passer de côté et on va s'aller changer. Oh, il y aura pénalité là. Et oui, Andrew Shaw touche à la rondelle et en faisant trébucher le joueur des Sabres, Cody Fredson. Je ne sais pas c'est qui des Canadiens, mais il se voit octroyer une pénalité. Powerplay les Sabres. Et The Rock est probablement un des joueurs les plus dangereux, c'est les Sabres en powerplay. Il coupe et on va s'installer là, on n'a pas besoin de se presser. L'autre côté, Bro Riley, belle tentative. Ryan O'Reilly sur le troisième trio a quand même du deuxième powerplay time. Tire tenté, oh, The Rock a été trébuché. Et oui, ce sera une autre pénalité pour les Canadiens, 5 contre 3. Et je peux vous dire que les partisans ne sont pas très heureux là. Ryan O'Reilly au face-off. C'est perdu. Beaulieu revirement. Et le dégagement qui est facilement complété. Au moins jusqu'en zone neutre. The Rock s'amène. The Rock pas la rondelle. La récupère. The Rock vers O'Reilly et Evander Kane. Mais bel arrêt de Carey Price. À la base, je voulais la donner à Ryan O'Reilly. Mais Evander Kane vole tout ce qui passe. Donc il a volé la passe à Ryan O'Reilly. Le dégagement qui est raté. Evander Kane, come on. Je suis dans le fond. That's it. The Rock tire en tenté, je l'ai rebound pour Ryan O'Reilly. Evander Kane passe à The Rock à la pointe. Cody Fredson, c'était peut-être pas ma meilleure passe. Et The Rock, la rondelle haut, revient sur Gallagher qui est seulement frappé par The Rock. Encore. Oh, tu peux pas faire ça, O'Reilly. Pénalité. Et on se retrouve à 4 contre 4. Et l'entraîneur, le Dan Bylsma, me laisse sur la patinoire. Ok, bizarre. Gergensen, belle passe. Ristolainen. Passe à The Rock. 4 contre 4, il y a de l'espace, mais The Rock est surtout fatigué. Mais The Rock s'amène. 5-hole. Bel arrêt de Carey Price. Là. Très difficile à déjouer, Carey Price. Là. Il est solide. Max Pacioretty, repli, repli, repli. Mais là, je m'en vais changer. Je suis complètement brûlé. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Good job, Bristol Lennon, vers Kyle Okposo. Et that's it. Okposo, ça va tuer le temps qui reste à 4 contre 4. 6-56, 2-1 les Sabres, et tout va pour le mieux. Brendan Gallagher s'amène vers Max Pacioretty. Le premier trio du Canadien, that's it, hop, 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 Josh Georges. Et je vais la coller parce que sinon ça va lui prendre 3 ans. La passe vers Kane, Kane, Kane. What? Qu'est-ce que tu fais, man? Il a complètement le droit de la glace pour y aller. Et là, Radulov, faut faire attention à Radulov, quel joueur. Toujours 2 à 1 là, pour les Sabres qui doivent tenir. Et le tir à la but! Alex Galchenyuk qui marque et c'est 2 à 2. Et je pense que j'ai rentré en contact avec Robin Lehner en tentant de plonger pour bloquer le tir. Fucking hell! Non, c'est Max Pacioretty, c'est pas... Oh, ok, je pensais que c'est... Ah, c'est Galchenyuk à Pacioretty. Et oui, j'ai rentré en contact
avec Robin Lehner. Calice. Ah, oh, sorry, Robin. Oh, yeah, Robin Lehner, là, il doit me détester. Oh non. Zach Bogosian, revirement de Zach Bogosian. Galchenyuk a l'échappé. Il marque. Et c'est deux. Et c'est trois à deux. Zach Bogosian, le pire div de la NHL. Revirement. Et Galchenyuk, son troisième de la saison, donne les devants 3-2 aux Canadiens. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le contraire. The Rock a marqué deux buts back-à-back. Et là, c'est Galchenyuk qui marque. Beaulieu. Come on! What the fuck, man? Fuck off! The Rock a le temps de le dire. Paf! Un claquement de doigts. The Rock est passé à moins 3. Merci, le jeu. Alexis Emelin récupère la rondelle, remet vers Max Pacioretty. Les Canadiens ont marqué 3 buts à l'instant de, je vous dirais, une trentaine de secondes. Max Pacioretty va à Emelin. Yemelin, oh, Coleman. Et devant le filet, Robin Lehner qui fait un arrêt, mesdames et messieurs. Robin Lehner a réussi à arrêter une rondelle. Quel, oh, palais, quel arrêt de Robin Lehner. Aïe, aïe, aïe. Oh, la passe à la pointe. Oh, Alexis Yemelin, seulement frappé par Evander Kane. Est-ce qu'il peut récupérer la rondelle? Oui. Va The Rock et watch out à Shea Weber. On sait Shea Weber. Solide diff et revirement de The Rock. Ristolainen, laisse pour The Rock. Tir faible bloqué par Carey Price, Alexis Emelin. Oh, belle passe vers Alexander Radulov. Mais non, là, je suis curé, mais tiens, je vais récupérer la puck puis je vais aller scorer. Tassez-vous. Tasse-toi, Bogosian. Non, c'était Ristolainen. The Rock s'amène. The Rock. The Rock call. Oh, what the hell. La passe d'avant. Tire, oh, quel tir puissant. La rondelle est libre. Qui a la rondelle? C'est Alex Galchenyuk. 38 secondes, je reste à la glace, coach. On peut encore revenir dans le match. Good job face à Max Pacioretty. Galchenyuk. Galchenyuk, qui rate le de peu. Hop, hop, hop. Ristolainen, that's a nice pass. The Rock s'amène. The Rock. The Rock. Oh, pas la rondelle. Foligno, tu sais. Ryan O'Reilly, come on! Oh, mauvais jeu de Price. Brendan Gallagher, je reste à la glace, coach. Fuck off. Brendan Gallagher, toujours. Pas la rondelle. Oh, il la récupère devant le filet. Bel arrêt. Oh, come on! Récupérer le puck, quelqu'un! O'Reilly! Oh là 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 là! Passe à The Rock! Allez, oh, come on! Go, 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 Foligno! Oui! Foligno, fuck off! The Rock! Quel arrêt de Carey Price! Aïe, aïe, aïe! 37 arrêts ce soir pour Price, qui ne laisse absolument rien passer et les Sabres perdent un autre match. Aïe, 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 dommage, on s'est encore fait rattraper. On se fait tout le temps rattraper. C'est l'enfer. Aïe, 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 aïe. Et The Rock est encore sur la patinoire pour 3 buts des Canadiens. Ridicule. Mon plus et moins doit être désastreux. Ça doit être dégueulasse. Oh là là. J'en reviens pas. Je me fais complètement détruire en défensive. Et oh là là, les Maple Leafs sont 2-7. Donc on va simuler, mais on fera pas un autre match. L'épisode est assez longue. Je veux pas qu'elle soit très très longue non plus. Donc prochain match, on va le jouer contre les Red Wings de Détroit à Buffalo. D'ici là, on a deux matchs. Un contre les Toronto Maple Leafs, un contre les Flyers de Philadelphie. Si on peut aller chercher au moins une victoire sur les deux matchs, ça aurait bien, bien, bien de l'allure. Come on, Toronto Maple Leafs sont 3-8. C'est une joke. Et défaite en tir. Ah, défaite en tir de barrage. Et contre les Flyers de Philadelphie. Oh, est-ce qu'on peut réussir à aller chercher une win? Et oui, victoire de 4 à 3, that's it. Au moins, on a été chercher 3 points sur une possibilité de 4. Prochain match contre les Red Wings de Détroit qui sont 3-5-3. Donc, on va juste aller voir les stats très rapidement. On est maintenant 77 overall. Donc, ça monte tranquillement, mais sûrement. Les Sabres ont 5-9, 11 matchs de jouer. Jack Eichel a 10 points avec 93 overall. Ça l'aide. The Rock, 8 à 11.
joue sur le deuxième trio, 22 ans. Donc, The Rock et Eichel sont vraiment les meilleurs. Mais The Rock est moins 8. Ah, aïe, aïe, le deuxième trio, faut que tu changes ça, Dan Bazma. Ça va pas très bien. Et pour les Sabres, on est quatrième dans notre division. Et dans la Ligue, non, dans l'Est, on est 10e. Donc, la saison est jeune. On s'en fait pas avec les stats d'équipe. Donc, j'espère que vous avez apprécié. S'il y a de quoi pour mon micro, dites-moi-le dans les commentaires. Ou sinon, tout autre commentaire est apprécié. J'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!